À midi, moi présenter ma bec louange. Merci pour tout ça fait pour moi. Le matin, moi chanter la justice. À midi, moi chanter grand amour. Avant de dormir, moi chanter miséricorde. Ô Éternel, prends pitié pour moi. Mes bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je dis à qui c'est vendredi 28 mai 2021. C'est un contentement pour moi. C'est un plaisir pour moi d'être que bon Dieu, bonne possibilité pour nous capables de rejoindre encore une fois soya pour nous méditer la prière, bon Dieu, ensemble. Dans le moment ça, m'a dit que la paix, bon Dieu, bah, elle est capable de rentrer la caillou. Dans le moment ça, moi déjà. On est que ou disposé, disponible pour nous capables de méditer la prière ensemble. Mais soyez que en forme, mais soyez que bien. Eh bien, nous entrons la caille où, encore une fois, c'est grâce à l'Église Tabernacle de la Grâce qui est dirigée par Pasteur Jean-Ricardo. Ou même qui t'a une requête de prière, ou capable d'aller sur le lien numéro 1 parti qui est en bleu, cliquez sur lui et n'a bien content de recevoir des demandes de prière. Jodi a nous gagnons yon verset que nous avons médité sur lui. Nous connaissons ensemble, bien aimés frères et sœurs, pendant la journée. Nous avons vraiment médité à travers verset. Ça a un pile bagaille qu'on joue et nous continuons à garder l'ensemble. C'est Deutéronome chapitre 5, le verset 16. Respectez maman, nous, avec papa, nous, Jean Seyè, bon Dieu, nous, t'es passé nous l'au-delà. Pour nous qu'à vivre longtemps à quel content dans le pays Seyè. Bon Dieu, nous en t'es bon non. Mais bien aimés frères et sœurs, premier élément que nous avons essayé de souligner à travers texte là, c'est que nous avons dit, honore ton Père est un ordre divin. Lorsque vous honorez papa ou respectez papa, premier bagage que vous avez besoin qu'on ait, c'est un ordre divin. C'est un ordre que bon Dieu lui-même lui passé. Nous sommes capables de dire que c'est un impératif pour aimer papa. C'est un impératif normalement pour capable prendre soin papa ou montrer que ou remène. Et il peut dire pour qui ça que vous devez aimer papa afin que tes jours se prolongent. Pour lorsque vous aimez papa, ou apprécier papa ou respecter lui, eh bien, jou a prolongé sous la vie. Et parfois, en Haïti surtout, on souvent dit que lorsque yon ti moun de respecter papa, eh bien, il est capable de madichon, il est capable de mourir bonheur, il est capable d'accident, il est capable de tout malheur qui arrive. Et il y a un deuxième élément qui, lorsque ou honorer papa ou respecter le cas privé, il dit et que tu sois heureux. Donc, ou capable heureux, ou capable jouir de un bonheur, ou capable normalement à vivre dans cœur content, ou à vivre à l'aise parce que ou honorer papa. Et deuxième élément, honore ta mère. Aussi, c'est un ordre divin lorsque vous honorez maman ou respectez maman. Et nous avons fait une analyse. Le plus souvent, nous connaissons que yon maman li fait 9 mois li pote yon ti moun nan vant li. Et après ça, elle fait ti moun nan li, allaiter ti moun nan. Et pour y râler, pour marcher, waouh, ça veut dire quelque chose. Donc, par rapport à toute raison, ça yo. Eh bien, nous avons pour devoir honorer maman nous. Nous avons pour devoir apprécier maman nous. Et tous les hommes veulent être heureux dans la vie. Eh bien, pour heureux, c'est lorsque vous respectez maman. C'est lorsque vous respectez papa ou honorez selon la Bible. Et c'est un commandement qui est important que nous devons mettre accent sur lui. Jean que normalement dans le livre de Deutéronome, Moïse t'a parlé pour le bon Dieu mettre dans la bouche lui pour te demander peuple Israël là, et bien pour honorer papa, honorer maman yo. Et de même pour nous aujourd'hui, nous besoin suivre même ligne ça, même trace ça pour nous honorer maman non avec papa non. Et le s'agenouille à prolonger. Prolonger, c'est faire durer plus longtemps. Hein? Donc, c'est très important lorsque ou honorer maman ou papa ou bien respect pour eux. Eh bien, laisse ça pour vivre de bénédiction, maman ou papa. Yo. Donc, c'est important. Et pensez, journée a dit, secret pour gagner la vie qui longue, nan chita, nan respecté par nous, à qu'un grand dette yo. Donc, c'est important. Lorsque nous respectons par nous, nous respectons les gens qui sont grands passés nous. Parce qu'en province, en Haïti, ça a souvent fait. Côté que tout grand monde, des petits monde n'a pas levé, eh bien, il toujours respecté tout grand monde qui dans la zone, dans le canton, côté que lié a. Parce que l'on respecte les gens, donc, on a un paquet d'avantages. Donc, c'est important. Mais bien aimés frères et sœurs, à Soya, nous avons deux bagailles, nous devons connaître à travers le texte qui est important. Honore ton père, c'est un ordre divin. C'est bon Dieu qui passe nous l'autre, ça sont impératifs pour nous remer papa, nous, pour nous honorer papa, nous, pour nous respecter papa, nous, et pour nous faire tout ça que nous sommes capables, pour nous rendre papa, nous, bien sourire, pour nous rendre papa, nous heureux, pour nous rendre papa, nous à l'aise. Et lorsque nous faisons ça, nous-mêmes tout nous heureux, nous-mêmes tout nous vivons longtemps. Deuxième élément que nous devons connaître, honore ta mère aussi, c'est un ordre divin. De même, lorsque vous honorez papa, eh bien, on vit longtemps. De même, lorsque vous honorez maman, on vit longtemps. Donc, nous connaissons en Haïti, surtout dimanche qui vient là, c'est fête des mères que lié en Haïti. Eh bien, c'est pas tant les fêtes des mères là pour les mamans, pour montrer le corps, mais dans le moment fête des mères, ouvre les cadeaux. Non, c'est pas ça seulement. Donc, c'est toujours aimer, c'est toujours montrer le prêt pour lui, c'est toujours montrer le prêt pour bal cadeau. Donc, c'est ça qui est important, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, remets maman nous avec papa nous, et le ça n'a pas capable de vivre longtemps. On nous prie ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu fidèle, nous bénissons, nous exaltons, Seigneur Dieu, nous approchons devant trop, nous, avec l'Église Tabernacle de la Grâce. Nous disons merci pour chaque bien-aimé frère action. Nous, et dans le moment ça, Seigneur, nous demandons autant prix. On va toucher chaque monde, chaque membre de l'Église Tabernacle de la Grâce, spécialement Pasteur Jean-Ricardo, Rodney, toute famille, Seigneur. Et comme ça, yo va bien, et comme ça, cher Seigneur, va faire route pour yo. On va toucher Sila qui est malade, hein, spécialement la sœur jeune, oh Dieu, qui a besoin de prière pour santé, le Seigneur. Eh bien, nous demandons de toucher de façon spéciale, oh Dieu. Nous remettons nos mains, nous demandons tant prier. On va permettre que tout un monde qui attendait nous dans le moment ça, qui a un problème quelconque, eh bien, on va sentir que yo bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous comptons sur nous croyons en vous. Et nous remettons le monde là dans la Haïti, dans la on fait face à des moments qui sont très difficiles. Nous dans la Seigneur. Or, nous connaissons même seul qui est capable de protéger nous, avec nous, aider nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'en prions. Amen. Déjà, bonne soirée et bon week-end. Matin, me lever avec prière. Merci Seigneur pour tout ce fait pour moi. À midi, moi présenter ma belle.